deserve all the glory. You deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve all the glory. Yahweh, Yahweh, you deserve. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Nous allons parler du secret de la bénédiction. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme, lorsque Dieu a créé les humains, il les a créés afin qu'ils soient bénis. Déjà, dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé Adam et Ève, il a dit, créons-les à notre image. L'image de Dieu, c'est la bénédiction. Et le Seigneur dit qu'ils dominent, qu'ils assujettissent. Mais pourquoi les gens, les humains, les êtres humains sont dans des difficultés énormes en ce moment et qu'ils ne sont pas bénis? C'est parce que nous avons violé certaines règles, nous avons violé certaines lois. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas compris. Nous avons mis nos intérêts avant Dieu. Dans les 10 commandements, il est dit, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Tu dois aimer d'abord Dieu avant toute chose. C'est par Dieu que tout commence. Lorsque tu mets Dieu en deuxième plan, que tu mets l'œuvre de Dieu en deuxième plan, tu as déjà tout raté. Il faut que Dieu soit le centre de ta vie. Il faut que Dieu soit le centre de tes décisions. Tout ce que tu fais, tu dois d'abord commencer par Dieu. Tu veux ouvrir une entreprise, tu veux faire du commerce, tu veux faire du business, tu veux travailler quelque part, tu dois d'abord consulter Dieu, tu dois s'aimer, tu dois faire une alliance avec Dieu, tu dois te réconcilier avec Dieu, tu dois demander à Dieu, est-ce que ce que je suis en train de faire, que je veux faire, est bien, est-ce que je dois le faire? Le Seigneur a laissé beaucoup de directives dans la Bible pour nos bénédictions. Nous voyons notre père Abraham que Dieu a appelé, à qui Dieu a dit, je te bénirai et je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Quand le Seigneur a appelé Abraham, la première fois que Dieu l'a appelé, la première des choses qu'Abraham a fait, la Bible dit qu'il a bâti un autel. Ça veut dire qu'il a fait une offrande. Il s'est réconcilié avec Dieu. Il a créé une alliance avec Dieu, avec son offrande. Partout où Abraham partait, dès qu'il va se déplacer, Abraham bâtit un autel. Lorsqu'il arrive dans le lieu, il bâtit un autel. Il créait toujours des alliances. Ça veut dire quoi? Chaque décision qu'Abraham faisait, il ne la faisait aucunement sans bâtir un autel. Tu ne peux pas t'élever, je vais voyager sans s'aimer. Tu ne peux pas dire, je vais créer une entreprise sans s'aimer. Tu ne peux pas dire, je vais ouvrir une affaire sans s'aimer. Donc, à chaque fois que tu prends une décision, un nouveau départ ou que tu veux avancer, il faut que tu sèmes. Il faut que tu crées une alliance. Il faut que tu fasses de sorte que Dieu impose sa main à ce que tu, sur ce que tu as. Abraham avait le secret. Ses enfants avaient le secret. Isaac avait le secret. Jacob avait le secret. Joseph avait le secret. Et les Juifs ont gardé ce secret. Vous voyez? Le peuple d'Israël, un jour, a bafoué ce secret. Ils ont commencé à vivre les échecs, les blocages. Ils ont commencé à se plaindre auprès de Dieu. Et Dieu est venu leur répondre dans Malachie. Ouais, dans Malachie, Dieu est venu leur répondre. Parce que le peuple d'Israël était en train de dire, mais pourquoi nous vivons des difficultés? Pourquoi nous vivons des épreuves? Pourquoi est-ce que nous prions, mais rien n'avance? C'est comme des gens qui disent, mais je vais à l'église, mais rien n'avance. Mais je prie, mais rien n'avance. Je jeûne beaucoup, mais rien n'avance. Et Dieu va répondre à Israël en disant, il dit, dans le verset 7 de Malachie, il dit, depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? En effet, les enfants d'Israël ne savaient pas que c'était un problème d'offrande et de dîmes. Donc, il dit, mais en quoi est-ce que nous, on doit revenir? On prie tous les jours, je jeûne, je vais à l'église, je suis fidèle, je suis baptisé, je suis confirmé. Qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Et Dieu dit dans le verset 8, un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé?
dans les dîmes et les offrandes. Vous voyez, c'est là. Dieu dit qu'il le trompe. En fait, le fait de ne pas faire tes offrandes, le fait de ne pas payer tes dîmes, de ne pas faire des offrandes, Dieu dit que tu le trompes, tu le voles, tu l'escroques. Ça, il faut le comprendre. Quelle que soit l'église où tu es, que tu aimes ton pasteur, que tu n'aimes pas ton pasteur, que tu aimes ton ancien, tu n'aimes pas ton ancien. Il dit, si tu n'es pas fidèle dans tes offrandes et tes dîmes, tu es en train de le tromper, tu escroques Dieu, tu voles Dieu. Et Dieu dit, vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La nation tout entière, et vous tous, vous me trompez, il n'y a pas quelqu'un qui est fidèle. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mais la maison du trésor, c'est quoi? C'est là où vivent le prêtre, le pasteur, c'est là où vivent ceux qui servent Dieu. Il y a des pauvres, il y a des orphelins, il y a des misérables. Mais c'est là, Dieu dit, apportez vos dîmes, vos offrandes pour que mon œuvre avance. Apportez vos dîmes et vos offrandes pour que mon œuvre avance, pour que mon œuvre évolue. Voilà ce que Dieu dit aux enfants d'Israël. Vous voyez? Et il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit Dieu. Hein? De la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas. Les fruits de la terre et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Donc, vous allez fouiller votre Bible, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. C'est la première fois que Dieu demande à des gens de le mettre à l'épreuve. Et c'est la première fois que Dieu dit à des gens qu'il les trompe. Vous voyez, ça concerne les offrandes et les dîmes. Donc, quand des gens, des personnes disent, mais la dîme, ce n'est plus d'actualité, tout ça. Dieu dit, lorsque tu ne payes pas, tu le trompes. Lorsque tu ne payes pas, tu le trompes. Et il dit, mets-moi à l'épreuve. Essaye, tu vas voir et tu sauras que c'est le secret de la grâce et de la bénédiction. Écoutez-moi très bien. Lorsque le Seigneur a maudit la terre dans le jardin d'Éden, la terre était maudite et le Seigneur a dit, c'est à la sueur de notre front que nous allons manger. C'est à la sueur de notre front que nous allons recevoir des choses. Mais la terre était maudite. Alors, lorsque tu reçois quelque chose, la dîme, c'est quoi? C'est la partie de la malédiction que tu retires dans tes trésors. Donc, si tu ne retires pas la dixième partie, la partie de malédiction qui est dans tes trésors, ça veut dire que tu as eu 1 million, mais dans tes 1 million, il y a la malédiction dedans parce que tu n'as pas retiré ce qui est malédiction pour donner à Dieu. La partie de la malédiction, tu ne peux pas la garder. Il faut que ça aille entre les mains de Dieu. Donc, tu as 100 000, la dîme, c'est, je crois, 100 divisé par 10, à toi de faire ton calcul, c'est 10 000. Vous voyez? Donc, vous voyez, quand vous avez, par exemple, 10 000, la dîme, c'est quoi? C'est pas beaucoup. La dîme, c'est la dixième partie. Tu retires la dixième partie. Tu enlèves juste ça pour Dieu. Si c'est pas beaucoup, tu peux augmenter. Et puis, tu donnes ça à l'homme de Dieu. Tu donnes celui qui prie pour toi, celui qui te bénit, l'église où tu es fortifié, l'endroit où tu es béni, l'endroit où tu es fortifié, là où tu es nourri spirituellement. Si c'est le bishop Mercedes qui t'apporte la nourriture, si c'est sa prière qui t'amène dans l'élévation, si c'est ta prière qui te nourrit, tu es obligé de lui payer ta dîme. La dîme, ce n'est pas une offrande. La dîme n'a rien à voir avec l'offrande. L'offrande peut être volontaire comme l'offrande peut être décrétée par révélation. L'offrande, c'est quelque chose qui vient du cœur, selon les moyens ou selon une révélation, un décret. Mais la dîme, c'est comme l'impôt que tu payes. La dîme, tu es obligé, ce que tu reçois, tu dois retirer la dixième partie de ce que tu reçois. C'est tellement biblique, il n'y a pas une histoire de Nouveau Testament, d'Ancien Testament. Il n'y a pas histoire de c'était avant, maintenant on ne fait plus ça. Tout ça, c'est du blablabla. S'il vous plaît, il y a beaucoup de choses de l'Ancien Testament que nous faisons encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses de l'Ancien Testament que nous respectons. Nous respectons les 10 commandements.
Nous respectons beaucoup de choses de l'Ancien Testament. Nous continuons de dire l'Éternel des armées, Jéhovah Jireh. Nous respectons des choses de l'Ancien Testament quand ça nous arrange. Donc, nous n'allons pas venir dire aujourd'hui que parce que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous n'allons pas respecter la dîme. Si nous respectons tout ce qui est dans l'Ancien Testament, nous devons respecter la dîme. Frère, ne jouez pas avec les offrandes. Isaac voulait bénir son fils Ésaü. Il dit à son fils, va préparer le mets que j'aime que je mange. Quand je serai rassasié, je te bénirai. Et il envoie son fils dans la forêt chercher le gibier, alors qu'autour d'eux, il y a les moutons, autour d'eux, il y a les poulets et tout ça. Mais il voulait manger un gibier. C'est ce que l'homme de Dieu désire là. C'est ce qui va réjouir son cœur et l'onction va descendre sur toi. Donc arrêtez de croire que vous pouvez faire votre propre volonté et recevoir la bénédiction. Le secret de la bénédiction, c'est de s'aimer dans la bonne terre. C'est de donner là où ça produit des grâces. C'est de donner là où la bénédiction va surgir dans ta vie. Je vous donne quelques versets concernant la dîme avant même de terminer ce message. J'aimerais que vous notiez bien ces versets. Vous voyez, la dîme, c'était une tradition juive. C'est pas quelque chose qui a commencé comme ça. Prenez Deutéronome chapitre 14, verset 22. Vous verrez que notre père Abraham, avant même que le Seigneur lui donne son fils Isaac, il a été obligé d'aller voir Melchisédek et payer la dîme à Melchisédek. C'est lorsque Melchisédek a prophétisé sur la vie d'Abraham que les choses se sont passées. Écoutez-moi très bien. Lorsque Melchisédek a prophétisé, donc toi, un homme de Dieu prie pour toi. Les choses avancent dans ta vie. Dieu t'a promis beaucoup de choses, mais tu ne payes pas la dîme. Mais tu payes des factures, tu payes les impôts à ton gouvernement, tu payes tout ce qu'il faut, tes factures de téléphone et tout. Mais là où tu es nourri spirituellement, là où tu es protégé spirituellement, tu ne payes pas ton impôt spirituel, tu ne payes pas la dîme. La dîme est un impôt spirituel, il faut le payer. Tu payes pas la dîme, les démons t'accusent. Même si tu fais beaucoup d'offrandes, que tu payes pas la dîme, les démons vont t'accuser, ils vont te semer des blocages dans ta vie. Je conseille tous ceux qui prient avec moi, qui croient à mon onction, qui bénéficient de mon onction, de commencer cette année-là à payer leur dîme. Chaque mois, quand il y a quelque chose, ou à chaque instant que tu as quelque chose, retire ta dixième partie, ça ne t'appartient pas. Retire ta dîme, paye ta dîme. Sinon, tu voles Dieu, tu pèches contre Dieu. Ne dis pas, j'ai déjà fait des offrandes. Ne dis pas, j'ai déjà fait des offrandes. Les offrandes vont servir. Non, 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 non. Paye ta dîme, paye ta dîme. Tu ne payes pas ta dîme, Satan t'accuse, c'est un accusateur. Il a accusé Job, il va continuer à t'accuser. Alors je vous donne les passages. Deutéronome chapitre 14, verset 22. Genèse chapitre 14, 18, 20. Genèse 14, 18, 20, vous verrez pour Abraham. Dans Deutéronome 14, 22, vous verrez que c'est une tradition juive. Dans Genèse 14, 18, 20, vous voyez qu'Abraham a payé la dîme. Jacob, le fils d'Abraham, a promis aussi la dîme à l'Éternel en disant à Dieu que si Dieu le bénit, il va payer sa dîme. Vous allez voir dans Genèse chapitre 28, verset 20 à 22. Genèse 28, 20 à 22. Vous voyez, la dîme est là pour le soutien des serviteurs de Dieu. La dîme est là pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Vérifiez dans Nombre, chapitre 18, verset 20 à 21. Les Lévites avaient besoin de la dîme. Quand tu ne payes pas la dîme, c'est que tu veux appauvrir la maison de Dieu. Et Dieu déteste cela. Vérifiez dans Nombre, chapitre 18, le verset 26. Allez-y vérifier. La dîme soutient les démunis. C'est avec la dîme aussi, il y a une partie de la dîme qu'on va retirer pour aider les veuves, les orphelins et les démunis, pour payer les factures, l'électricité, faire les programmes, faire des missions, des actions missionnaires, faire tout ce qu'il faut. S'il n'y a pas de dîme, il n'y a pas d'offrande dans l'œuvre de Dieu, l'œuvre ne peut pas avancer. Il n'y a pas de dîme. Donc, vous ne pouvez pas suivre un homme de Dieu. Vous ne pouvez pas dire que vous croyez à l'onction d'un homme de Dieu ou être dans une église et ne pas payer la dîme. C'est un péché comme tous les autres péchés. Deutéronome 14, 22, 23. Deutéronome 14, 28, 29. Et lisez aussi Deutéronome 6, 12. La dîme, c'est la dixième partie de vos revenus. La dixième partie de ton revenu, c'est la dîme. La dix, tu divises par dix. La dixième partie t'appartient pas, ça appartient à Dieu.
Si tu as 1 million, il faut retirer la dîme. Si tu as 1 million, il faut retirer la dîme. Tu as 1 milliard, il faut retirer la dîme. Tu as 10 000, il faut retirer la dîme. Tu as 20 000, il faut retirer la dîme. Tu as 50 000, il faut retirer la dîme. Quelle que soit la somme, même si c'est, je ne sais pas, tu dis c'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup, retire la dîme, mets de côté, c'est pas pour toi. D'accord? Lisez Lévitique 27, 30, 31 à 32. Lévitique 27, 30, 31 à 32. La dîme peut être en argent comme la dîme peut être matérielle. Il y a des gens, par exemple, ils n'ont pas d'argent, mais ils ont des plantations, ils ont du bétail. Ils peuvent, par exemple, dire, bon, pendant mon bétail, la dixième, le dixième de ce qui vient de produire dans mes produits vivriers, dans ma récolte. Et par exemple, un planteur qui a eu, comment on appelle, 10 sacs de cacao, il y a un sac qui est sa dîme. Un exemple, par exemple, tu as 10 bétails, 10 bœufs, il y a un bœuf qui est pour l'Éternel. Voilà, la dîme peut être aussi cela. Tu peux vendre, prendre l'argent pour donner à la maison de Dieu, comme tu peux le donner matériellement aussi. Voilà, vous pouvez lire Lévitique 27, 33. Voilà, la dîme, c'est aussi de l'argent. Tu peux, si tu vois que tu ne peux pas trimballer un mouton ou des fruits, des légumes, tu vends, tu prends l'argent, tu envoies. Donc, lisez Deutéronome 14, 25, 26. La dîme est une source de bénédiction. Celui qui ne paye pas la dîme est en train de rater ses grâces et ses bénédictions. Deutéronome 26, 12, 15. Deutéronome 26, 12, 15. N'hésitez pas à lire ces passages que je vous donne. Alors, nous avons lu Malachie tout à l'heure. Nous avons vu que le Seigneur a dit qu'il faut le mettre à l'épreuve. Malachie, le Seigneur a dit qu'il faut le mettre à l'épreuve. Donc, moi, je pense que celui qui croit en Dieu ne peut pas jouer avec la dîme. Mais ce qui est marrant et ce qui est mauvais, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui croient en beaucoup de choses de l'Ancien Testament, mais en ce qui concerne les offrandes, en ce qui concerne la dîme, ces personnes vont discuter. Ces personnes vont dire non, c'était dans l'Ancien Testament, au temps de Jésus, on ne payait pas la dîme. Mais écoutez-moi, la Bible dit que quand l'Église a commencé, les gens vendaient tout ce qu'ils avaient et puis ils donnaient à l'Église. Est-ce que toi, si on te dit de vendre tout ce que tu as, ta maison, ta voiture, tout ce que tu as pour donner l'argent à l'Église, tu vas le faire aujourd'hui? Mais les premiers chrétiens le faisaient. C'est plus que même la dîme. C'est plus que la dîme. La Bible dit que Tabitha donnait tout le temps à l'Église. Ananias et Saphira ont voulu mentir, ils ont voulu tromper Dieu à cause des offrandes, à cause de la dîme. Ils sont quoi? Ils sont morts. Donc ne dis pas c'est dans l'Ancien Testament. N'écoute même pas les soi-disant pasteurs qui viennent prêcher pour dire non, c'était dans l'Ancien Testament. Ils t'amènent à pécher. Ils t'amènent à pécher contre Dieu. Tu vas demeurer dans l'échec. Tu vas demeurer dans la pauvreté, dans la malédiction. N'écoute pas. Respecte. Si tu respectes les 10 commandements, respecte la dîme. Si tu respectes certaines choses, certaines paroles bibliques, que tu respectes des versets de l'Ancien Testament, que tu respectes, il faut aussi respecter en ce qui concerne la dîme et les offrandes. Dieu tient à ça. Il dit, vous me trompez quand vous ne le faites pas. Il dit, vous êtes frappé par la malédiction quand vous ne le faites pas. Et il dit, mettez-moi aussi à l'épreuve. C'est écrit dans Malachie chapitre 3, versets 7 à 10. Lisez Néhémie chapitre 13, 10. Lisez aussi Néhémie chapitre 13, 10. D'accord? Maintenant, je vais dans le Nouveau Testament et je vais vous lire juste 2 versets pour pouvoir terminer cet enseignement audio. Écoutez, lisez Romains chapitre 12, Romains chapitre 12, le verset 8. Alors, je lis avec vous, Romains 12, verset 8 dit, « Et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec liberté, que celui qui préside fasse avec zèle, et que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. » Regardez dans ce verset, il dit, « Celui qui exhorte le fasse. » Celui qui exhorte, c'est le prédicateur, c'est moi, c'est le prophète, c'est l'homme de Dieu. Et puis il dit que celui qui donne le fasse. Donc si toi on t'enseigne là, faut donner. Faut donner. La Bible dit que celui qu'on enseigne fasse pas de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est écrit dans la Bible. Vous voyez, c'est écrit dans la Bible. Je vais d'abord vous lire 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7 dit quoi? 2 Corinthiens 9, 7, nous allons le lire ensemble. Nous allons lire à partir du verset 6. « Sache-le, celui qui sème peu, moissonnera peu.
Et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni crainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu, verset 8 dit, et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Voilà. Vous pouvez lire ce verset. Bien-aimé, la Bible est tellement claire sur le donner. La Bible est claire là-dessus que personne ne vienne vous tromper demain, que personne ne vienne vous dire que le Seigneur n'aime pas qu'on donne. Que personne ne vous dise que... Parce que vous, il y a des gens qui prêchent, hein, les pasteurs c'est des escrocs, les pasteurs c'est des... Oui, il y a des pasteurs escrocs, il y a des pasteurs voleurs, il y a des faux pasteurs. Mais ce ne sont pas tous les pasteurs. D'accord? Donc, prie toi-même pour avoir le discernement. Cherche l'homme de Dieu ou la servante de Dieu à qui tu peux te connecter. Son onction te fait du bien. Sa parole, sa prédication te fait du bien. Ce conseil t'amène dans la bénédiction. Paye ta dîme, fais tes offrandes. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, mais c'est avec mon argent, il s'habille, c'est avec mon argent. Et alors, l'ouvrier mérite son salaire. S'il prend ton argent même pour construire une villa, ce n'est pas ton problème. Quand toi, tu as fini de donner, il faut oublier même que tu as donné. Voilà, c'est tout. Quand tu as fini de donner, hein, faut oublier que tu as donné. Tu comprends? Quand tu donnes là, tu oublies que tu as donné. Ce n'est pas quand tu donnes, tu vas dire, oh, j'ai donné ça, c'était moi qui ai donné ça, c'était moi qui ai fait ça. Oublie, oublie que tu as donné. Voilà, tu ne calcules pas ce que tu as donné. Tu dis, bah, oh, pasteur a acheté une nouvelle chaussure, c'est moi qui ai acheté. Le pasteur a acheté, sa femme a acheté une nouvelle robe, c'est moi. Ça là même, tu as perdu déjà ta bénédiction. Donne et oublie, et donne avec joie, donne avec force, donne avec bénédiction, donne avec joie. Arrêtez de murmurer quand il s'agit de donner. Écoutez, prenez Galates chapitre 6, verset 6. Galates 6, 6 dit quoi? Je vous le lis. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Vous comprenez ce que je viens de dire? Galates 6, verset 6. Voilà. Fais part de tous ses biens. Fais part de tous ses biens. Fais part de tous ses biens. Hein? Fais part de tous ses biens. Est-ce que toi, tu peux donner tous tes biens aujourd'hui? Toi, tu calcules. Tu calcules. Donc, on te dit, paye simplement la dîme. Paye la dîme et fais tes offrandes. Hein? C'est ce qu'on te demande. Cela ne doit pas être un problème pour toi. Celui qui discute avec cette parole n'est pas encore converti. Celui qui discute pour la dîme et les offrandes n'a pas encore connu vraiment Dieu. Que Dieu vous bénisse par cette exhortation. Je recommande à tous mes enfants spirituels, je recommande à tous ceux qui croient à mon onction et qui veulent évoluer dans la grâce, dans la bénédiction, dès à présent, à partir de maintenant, de demander pardon à Dieu et de commencer à être réglo dans leurs dîmes, dans leurs offrandes, de ne plus jamais tromper le Seigneur. Parce que si tu trompes Dieu, tu es frappé par la malédiction. Faites les offrandes. Surprenez-moi par les offrandes. Surprenez les hommes de Dieu qui vous aident par les offrandes. Réjouissez leur cœur. Isaac a dit, va préparer le mets que j'aime. Quand je mangerai, je serai rassasié. Je te bénirai. Et il a envoyé son fils en brousse. Si l'homme de Dieu dit, c'est un bœuf, il veut, donne-lui le bœuf. Si c'est un mouton, il veut, donne-lui. C'est une poule, il veut, donne-lui. Mais sois réglo dans ta dîme. C'est en cela qu'on voit la différence de ceux qui sont bénis et de ceux qui ne sont pas bénis. Que le Seigneur bénisse cette parole. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour tous ceux qui ont entendu ce message. Que ta grâce les environne, que ta puissance les environne et continue à les enseigner par la force du Saint-Esprit afin que tes enfants rentrent dans les grâces et dans leurs bénédictions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Yahweh, you deserve all the glory. Yahweh.
I won't sleep again. Yahweh, oh, Yahweh. Oh. And you picked me from the mud, Yahweh. Shut up.